bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Lilian31 et aujourd'hui je vous propose l'une de mes toutes premières parties sur la bêta ouverte de Battlefield 4 qui est arrivée aujourd'hui même au moment où je vous poste cette vidéo là en ligne, c'est-à-dire le 4 octobre, et pour les membres premium, eh bien elle est arrivée le 1er octobre. Aujourd'hui on est sur la version Xbox 360 car malheureusement j'ai un PC qui n'est pas suffisamment puissant pour faire tourner le jeu à pleine puissance et comme mon PC n'est pas très puissant, je n'ai pas envie de le tuer non plus, donc autant aller sur la version Xbox 360, d'autant plus que le contenu est exactement le même, mais par contre les graphismes eh bien sont un petit peu moins jolis, ce qui paraît logique, mais bon, ce n'est pas bien grave tant que le contenu reste le même. Alors ne vous foutez pas de ma gueule si je fais de la merde aujourd'hui, puisque je ne suis pas du tout un expert sur la licence Battlefield. À vrai dire, j'ai commencé quand même sur Battlefield 1943, je crois que c'était en 2009, je crois qu'il est sorti, ou une connerie comme ça là, 2006, non, 2008, ouais je crois 2009 il était sorti, le 1943. Par la suite j'avais fait le Bad Company 2, j'ai fait Battlefield 3 et je ferai certainement Battlefield 4 le 28 octobre dès que il sortira, mais il est vrai que j'ai un niveau qui est assez dégueulasse. Et d'ailleurs, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, donnez-moi tous les conseils possibles, j'accepte tout, tout est bon dans le cochon, parce que comme je vous le dis, je suis une bille sur Battlefield. Allez, multiplayer. Alors, Kickmate, Server Browser, Kickmate, on a deux modes de jeu disponibles dans cette bêta-là. On a le mode Conquête, qui est un mode où il faut capturer trois points, le A, le B et le C, sur une map qui est quand même assez grande, avec des véhicules. Et on a un deuxième mode de jeu qui s'appelle Domination, c'est le même principe. 3 points à capturer, A, B et C, mais sauf que la map est beaucoup plus petite et il n'y a pas de véhicule. Donc nous on va partir sur le mode conquête, le mode qui est certainement le plus intéressant de cette bêta là, parce que la map est plus grande, il y a plus de choses à faire, vous pouvez jouer beaucoup plus en équipe que sur le mode domination, c'est beaucoup plus stratégique. Donc on va partir là dessus, let's go, alright. On est siège de Shanghai, parce qu'il n'y a qu'une map disponible dans cette bêta là. On est chez les Chong Chong à Shanghai, au milieu des buildings. Et j'espère que je ne vais pas tomber dans une partie déjà commencée, parce que sinon, je vais être énervé d'entrée de jeu. D'autant plus que je suis une bille. Alors si je suis énervé et que je suis une bille, eh bien on va pas aller bien loin, bien sûr. Petite parenthèse que je fais pendant que ça charge. Si vous souhaitez discuter avec moi en dehors des vidéos ou me découvrir en dehors des vidéos sur YouTube, c'est possible, hein, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, sur Facebook ou même sur ma page Google+, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Vous pouvez me rejoindre, je suis principalement sur Twitter actuellement, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour communiquer, mais sur Facebook aussi. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et comme ça, voilà, si vous avez des questions ou autre, eh bien on pourra en discuter en dehors des vidéos. Donc c'est une partie qui débute à peine, tant mieux, je suis content, j'ai pas choisi ma classe, j'ai pris la classe assaut d'entrée de jeu, donc j'ai un petit fusil d'assaut, je sais plus le nom, je déploie des munitions je crois, ou une connerie comme ça, et j'ai envie d'éternuer. Oh putain, oh, excusez-moi, putain, j'ai eu envie d'éternuer. Alors là par contre, épique, hein, celui-là, je sais pas d'où il m'est venu, mais j'ai le nez qui a commencé à piquer d'un coup, et vous m'en excuserez, je sais que c'est pas très professionnel, mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous en rigolerez plus que vous m'en taquinerez. Allez, on va sur le point C, on va capturer le premier point parce qu'on est des foufous. On est des foufous, voilà, on va capturer, on va se mettre à l'étage, ça, on prendra un peu moins de risques. De toute façon, les mecs, là, normalement, ils sont sur le A, ils sont en train de le capturer, ils sont peut-être en train de rush le B, je ne sais pas. Moi, je rush le C, j'ai capturé, voilà, point 250 pour la capture. Tant mieux, on est go, il y a des véhicules. Je ne prends pas de véhicule parce que je suis en solo. Hein. Si je jouais avec un pote, j'aurais pris un petit véhicule, j'aurais fait un gros carnage. Mais vu que je suis en solo, ça ne sert pas à grand-chose. Allez, on va passer sous le pont. On va se faire discret parce que vous allez voir que les mecs, ils sont chauds. Et puis, s'il y a un tank, en plus, on risque de manger très cher. Putain, ils sont en train de capturer le point là-haut. Ou je crois que c'est nos potes, je sais pas qui c'est. Il y en a qui sont en train de capturer. On va essayer d'y aller. Alors, je peux activer mon laser. Ok, donc ça, c'est intéressant à savoir. Ok. Ok, bon, on va activer le laser. Par contre, si j'active le laser, je crois que je suis visible. On a capturé le point. Ok, on a capturé le point. Allez, ben on va aller chercher le A. On est des ouf. Pour le moment, il n'y a personne. Je sais pas où ils sont, les types. Ils sont encore de l'autre côté. Ils sont encore de l'autre côté. Ah, 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 il y a un type là. Allez, lui. Lui. Allez, boum. Premier kill pour Lilian. Allez, allez. C'est un mec, ça? Non, c'est pas un mec. Oh, 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 oh. Oh oh oh, ouais, ouais, double kill, ouais, ouais. Oh, il est ouf. Oh 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 oh. Non, non, il a eu avant moi, lui. Bien joué, bien joué. Allez, 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 on va chercher le A là, on est des ouf. Qu'est-ce qu'il fait, lui?
Oh oui, allez, troisième kill, quoi. Pas de soucis, quoi. Pas de stress. Il y a point S. Il y avait un mec au-dessus, je crois. Il y avait un mec au-dessus. Je crois que j'ai vu un point orange. Est-ce qu'il va oser venir? Alors, c'est quoi que je déploie, en fait? Ouais, c'est une trousse de soins. Ah, super, j'en avais besoin, en plus. Nickel. C'est cool, ça. Ça fait plaisir. Allez, on continue. Oh, oh, il y a un type, là. Il y a un type. Il y a un type. Oh, putain, lui, je vais le chercher direct. Oh, il y a deux types, même. Ah, ouais, ouais, ouais. Eux, ça va faire mal. Ils sont où? Ils sont où? Bim bala bim bim bala boum, ils sont où là? Eh! Ils sont où? Ah, ils sont derrière les cartons, sérieux? Eh! Ils sont où? Je les vois pas. Putain, je les vois pas. Oh les gars, vous êtes où? Oh! Eh! Ils sont où? Ah, ils sont en haut du bâtiment, les gros porcs! Oh putain! Oh putain, je les cherchais comme un con, comme un abruti! Oh, j'avais pas pensé qu'ils pouvaient aller en haut du bâtiment. Putain, j'y avais totalement pas pensé à cette connerie. Ok, ok. Allez, on y va. Bon, pour le moment, on est en train de dominer la partie. Vous pouvez voir le score en bas à gauche, 497 à 438. En bas à droite, il y a mon nombre de munitions. Par contre, ah ouais, j'ai plus de balles ou quoi? Oh, j'ai plus de balles déjà. Comment ça se fait? Putain, j'ai plus de balles. Oh, fuck you. Ouais, c'est pour ça qu'il faut jouer en équipe à Battlefield. J'ai plus de balles, du coup. Ah, lui, il m'a vu. Ah, lui, il m'a vu, mais j'ai que 18 balles. Et si je commence à tirer un peu dans le vide, ça va pas le faire. Oh, je vais me faire tuer. Il y a un type en face. Allez, allez, allez. Oui, on l'a eu. Ah, on va mettre une petite trousse de soins. Ok, bon, par contre, j'ai plus de balles. On va sortir le gun. Non. Oh oui, je l'ai eu. L'alien is on fire. Oh putain, j'arrête pas d'escalader, quand. Je voulais pas escalader. Oh putain, on est où là? On est où? Oh, il y a un type en face. Ah, j'ai pas de balle. On va lancer une grenade. Putain, ils vont me tuer, ils vont me tuer, ils vont me tuer. J'ai lancé une grenade, les gars. J'ai lancé une grenade, je suis un ouf. J'ai lancé une grenade, mais j'ai tué personne. Allez, c'est pas grave, on va se casser dans le bâtiment. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. J'arrive pas à l'ouvrir. Je suis Keblo. Ah non, c'est bon, ok, ok, j'ai trouvé un endroit. Allez, on est chaud là. On va casser la vitre. Attendez, parce qu'il y a du monde apparemment par ici. Il y a du monde. Il y a moyen de faire quelques petits kills. Il y a moyen de faire quelques petits kills. Allez, on va sur le point. Vas-y, on y va à l'arrache. On s'en bat les couilles. On est des ouf. Pull up, pull up. Allez, pull up. Ok, on est sur le point. Par contre, je vais pas le tenir longtemps avec un gun, les gars. J'aurais besoin d'aide. J'aurais besoin d'assistance. Allez, 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 allez. Meurs, meurs, meurs. Oh, il est pas mort. Oh, le gros porc. Oh non, il aurait dû crever là, quand même. Il a déconné. Il a déconné. Il a déconné, le type. Ah ouais, non, là il a déconné par contre, il aurait dû crever. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que avant cette partie-là, j'ai fait 3 parties. Ce que je peux vous dire, vu que je peux déjà un petit peu commencer à juger le jeu, comment il est, boum, petit kill dans ta figure. Ce que je peux vous dire, c'est que graphiquement, c'est pas dégueulasse, hein, je m'attendais à pire que ça, à vrai dire. Je pensais qu'ils allaient... Ah putain, le bâtiment il a été détruit. J'aurais dû vous le montrer ça, le building quand il tombe il explose. Et regardez, il y a de la fumée partout après, c'est vachement bien fait. Je pensais que les graphismes en fait, ils allaient surtout s'attarder sur les next-gen et tout. Mais finalement ça va, ils ont fait quand même un travail qui reste propre. Et ça fait plaisir quoi, ça fait plaisir. Allez boum, en attendant d'avoir une console future génération, voilà, on peut prendre vraiment du plaisir sur... Oulala, oulala, il y a quoi là? Il y a un tank là. On va le faire péter le tank. On va le faire péter le tank. Faire péter le tank. Moi je te le dis, on va le faire péter. Y'a personne dedans, si? Y'a personne dedans. Putain, j'arrive pas à grimper au-dessus. Y'a un type dedans, non? Ah non, y'a personne dedans. Ok, y'a personne. Je me suis fait peur tout seul. Allez, par contre, faudrait que j'arrive à passer. Ok, nickel, j'ai réussi. Oh, le camper! Fucking camper, va, boum, je t'ai eu. Oh, le campeur où il était, sérieux, quoi. Oh, le gros porc. Putain, ouais, on capture le point direct. Alors, par contre, il y a des bugs de texture, regardez, je sais pas. Au niveau des textures, par contre, je trouve ça très, très moche. Mais après, sinon, voilà, ça reste joli de loin. Mais c'est vrai que les textures, par contre, ça fait un petit peu peur. Je trouve qu'elles étaient peut-être plus jolies sur Battlefield 3. Après, ce n'est que mon avis personnel et peut-être que je me trompe. Lui, je l'ai tué. Bon, là là, mais je suis chaud. Je suis chaud. Oi, 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 oi. Derrière, derrière, derrière. Ah ouais, ouais, putain, je me fais derrière, je me fais sniper. Allez, 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 tu meurs. Oh oui, kill assistance. Ok, on va se cacher. J'ai plus de balles en plus, j'ai plus de balles. Oh putain, j'ai plus de balles. Par contre, les balles, on a rien, quoi, on a rien. On a qu'un chargeur sur nous. Putain, mais je suis coincé, là. Mais je suis coincé, mec. Allez, lui, on le tue. Oh oui, boum. One shot. Je vais aller... Mais je suis bloqué. Oh putain, il y a un type, là, il y a un type.
Aïe, 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 aïe. Ah oui. Oh oui. Oh là 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 là. Ce que je t'ai mis quand. Oh, ce que je t'ai mis, frère. Je peux ramasser son arme ou pas? Bon, j'ai pas réussi à ramasser son arme. Je me casse parce qu'il y a le tank juste derrière. Et je vais crever. Aïe, 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 aïe. Je me fais sniper, là. Putain, on se fait sniper, les gars. Oh, fuck you. J'ai pas eu le temps d'aller me cacher. Je me suis fait sniper comme un gros porc. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Allez, on va revivre sur le point A parce que les mecs, ils revivent à côté du point A. Voilà, on a pris totalement l'avantage. On a les 3 points, ils peuvent rien faire. Ils sont bloqués dans leur base. Voilà, là, on a vraiment... Oh, qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, il arrive en parachute. Il arrive en balle, le type. Bah, je t'ai tué cash. Oh, je l'ai pas vu, lui. Putain, le gros porc, là. Le sniper. Alors par contre, c'est vrai que les snipers sont quand même assez avantagés dans ce jeu. Hein. On en a pas trop parlé de ça, mais hein, les snipers, quand même, avec les débris et tout, ils peuvent bien se cacher et puis ils tuent en une balle surtout. Donc c'est vrai que les snipers, moi je trouve qu'ils sont un petit peu avantagés. Mais bon, après, si tu es pas en une balle aussi, ça serait compliqué. Je pense que ça dépend des snipers qui sont disponibles aussi, quand même, hein, à mon avis. Bon, ils sont où là, les coquinous? Les coquinous! Il y a un type là-bas, il a plongé, ok. Il y a un type par là. Il y avait un type par là, j'ai vu un point par là, mais ils revivent là-bas. Enfin, ils revivent là-bas, c'est pas la peine d'y aller. Il va y avoir un gros sniper encore, je vais me faire dézinguer. Allez, on va aller par ici. Apparemment, il y a du contact. Ça doit être à l'étage, ouais, c'est à l'étage. Mais c'est pas grave, on va aller voir quand même là-bas. Faire le tour. Voilà. Oh merde, mais je suis où là? Putain, mais je me bloque. Sérieux? Ah, par contre, la maniabilité, des fois, je pète les plombs. Hein. Par contre, ça me casse un peu les bonbons. Mais, voilà, après, le gameplay est quand même correct. Il est quand même plus fluide que sur Battlefield 3. Donc ça fait plaisir. Parce que c'est vrai que ce qui m'énervait un peu sur le Battlefield 3, c'est que je trouvais ça pas très très fluide. Là, ça l'est quand même un petit peu plus. Donc tant mieux. Mais, des fois, ouais, putain, je me bloque contre des petits rebords et tout. Et ça, c'est particulièrement chiant. Il y a un petit pas en face. Oh, je l'ai eu. Oh oui, je l'ai eu de là. Putain, j'ai fait un tir longue distance. Ah, putain. Je me suis fait démonter par l'hélicoptère. Mais j'ai fait un tir longue distance là, quand même. Il était pas mal du tout, celui-là. Et franchement, j'ai pas rigolé, quoi. Oh, ils ont pris le C. Ils ont pris le C. Sérieux, ils ont pris le C. Ah ouais, bah alors là. Alors là, les gars. Vous aurez pas dû prendre le C. C'est moi qui... Oh merde, je suis dans le tank. Non, je voulais aller sur le C. Bon, c'est pas grave, on va sur le A. Vas-y, mec, on va tous les démonter. Oh, l'hélico. Oh, l'hélico. Oh, putain, j'arrive pas à le viser. Il bouge trop. Oh là là, j'ai failli le tuer. J'ai failli le tuer. J'ai failli le tuer. Flag possession, ok, plus 10. Mais j'ai pas tué le mec. C'est bien dommage. Ah putain, ils nous ont pris le C là-bas. Oh, les gros porcs. Il est où l'hélico là? L'hélico. Oh, 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 oh. Ah là, je suis chaud là. J'ai envie de tuer de l'hélico là. Allez les gars. Personne là, y'a personne? Y'a personne? Personne là dans ce recoin de map? Ah, ils sont en bas, ils sont en bas. Ah, on peut pas y aller en bas avec ton tank là. Allez, sors. Allez, moi je sors du tank. Je sors du tank, je vais essayer d'aller en bas. Aïe aïe aïe, il m'écrase, mais il est con! Il est con, il m'a fait perdre toute ma vie, cet enfoiré! Oh le gros porc quoi, il m'a écrasé quoi. Oh, y'a un type là. Bram! Allez! Allez, le kill! Allez, allez, double kill. Bon, double kill, Lilian. Par contre, regardez, j'appuie sur le bouton recharger, ça recharge, mais en fait, on voit pas l'animation. Oh là là, oh là là, t'es pas mort. Ah, t'es pas mort. T'es sérieux, t'es pas mort. Oh putain, j'ai failli le dézinguer, lui, mais non, il est pas mort. Finalement, il est pas mort. Mais il s'est gavé. Oh, oh, ah ouais, il y a du monde là-bas sur le pont. Ah ouais, on va aller là-bas, on va aller sur le pont. On va aller sur le pont d'Avignon. On va y aller, on va y... Eh ben, dis donc. On va y aller, on va y aller, j'ai eu le hockey quand même. Donc on va pas trop y aller, quoi, on va pas faire les foufous. Allez, voilà, là, les débris, voilà. Allez, on monte sur les débris, on est des ouf. Ça y est, j'arrête pas de bugger là, j'ai le hockey, veuillez m'en excuser. J'ai un hockey, je sais pas ce qui est venu, un gaz ou peut-être une connerie comme ça qui est arrivée. Et qui me casse un peu les bonbons. Bon, par contre, ils sont où là, les deux, ils sont morts. Bon, en gros, j'arrive après le carnage, quoi. J'arrive après le carnage. Il reste 454 à 80 points. Donc on va gagner d'ici quelques secondes ou peut-être d'ici quelques minutes, une ou deux minutes à mon avis. Ça aura été une partie express, j'ai envie de vous dire.
On a bien dominé du début à la fin. Bon, moi, j'ai pas été dégueulasse, hein, finalement, ça va. J'ai pas été... Je pensais que j'allais faire vraiment de la grosse bouse, mais alors de la bouse intercontinentale, interplanétaire, intergalactique, inter tout ce que vous voulez, intermarché hein, d'ailleurs si vous voulez. Mais finalement non, ça va en fait. Voilà, j'ai pas fait une partie tant dégueulasse que ça. Il y avait une ascenseur pour monter. Ouh là là, lui. Putain, j'arrive pas à le tuer là. Il doit mourir là normalement. Allez. Putain, j'arrive pas à le toucher. Oh, si je le tue de là, lui. Oh, si je le tuais de là. Ah ouais, si je le tue. Putain, je suis bloqué. Kill assistance. Allez, toi, tu meurs. Boum. Voilà, petit kill. On va se mettre de la santé. Par contre, lui, là, faudrait que j'arrive à le tuer, là. Ok, non. Non, non. Mais non. Tu me tues par derrière comme un traître, con. Foiré, va. Talibaniste, va. Allez, oh, il est mort lui. Est-ce que je peux revivre là, là, sur le petit truc? C'est ce que nous allons voir. Oh, ils arrivent tous. Ah non, on va revivre en B. Ah, regardez, ils arrivent tous en B. Ah non, c'est mort, je reviens en B. Cache. Allez, on y va, ils vont arriver juste en face. Par contre, si le temps qu'il arrive, ça va pas trop le faire non plus. On va lancer une grenade, hein, comme ça, si on les voit arriver. Hop. Oh, il y a un mec là, il y a un mec. Oh oui, oh oui. Il y a deux mecs même. Aïe. Qui c'est qui me démonte? Ah, c'est le tank! Putain, l'enfoiré! Ah, il m'a vu là, il veut pas me lâcher, ça y est. Là, je suis dans la merde, les gars. Oh, j'ai escaladé, pourquoi? Ok. On est dans la merde là, les gars, on est dans la merde. Oh oui! Bah! Je t'ai eu, et le tank qui m'a pas vu, on se casse! Toi, tu meurs! Il est pas mort! Il y a un type là, il y a un type, putain, il nous a pas vu lui non plus. Oh le con! Oh le con! Oh le con, je l'ai eu. Oh le con, il a été nul. Pourtant j'ai tiré sur la map, j'étais visible. Oh merde, oh merde, oh oui on a gagné, yes. 440-0, on a gagné, on est des ouf. On est des ouf. On est des ouf. Ah, ça fait plaisir une petite victoire comme ça, ouais, c'est cool, ça fait zizir. Vous avez vu, en plus j'ai pas fait de la merde là. On va voir le score final de toute manière. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pris du plaisir en ma compagnie sur ce Battlefield 4, sur cette première petite partie que je vous propose. Et je passe rang 1, et putain il était long le niveau quand même, il m'a fallu 5 parties ou 4 pour le passer, je sais plus. Et là on a pris quand même 6500 d'XP. J'ai fini deuxième avec un 19-6, avec un très très bon ratio quand même hein. On va pas se mentir, regardez, 19-6, c'est pas de la merde, ça fait plaisir, ça fait zizir, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à commenter, à me donner des conseils si vous pouvez m'en donner, si vous en avez bien sûr. En tout cas, moi je vous conseille de télécharger cette bêta de Battlefield 4, elle est vraiment énorme, elle est vraiment super cool, je prends vraiment du plaisir, plus que déjà à jouer à Battlefield 3. Donc je vous la conseille, et puis on va terminer cette vidéo ici, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ce Battlefield 4, si ça vous plaît bien sûr, et sur d'autres jeux tels que GTA, FIFA, Call of, ou Payday, ou encore BioShock, ou plein d'autres jeux. À très bientôt, et portez-vous bien, ciao ciao tout le monde.